Ariel Henry, André Michel, Brian Nichols, Binu, Vitelam Innocent, Franz Elbe, Jimmy Cherizé alias Barbecue, Moun sa yo forme yon association de malfaiteurs en de pays d'Haïti. Si nous pouvons vle dénoncer ça, c'est parce que nous paie. Vitelam Innocent gon Jean l'a débarqué là dans pays ya, c'est pas bagaille qui rance du tout. Kounya la nous capable relèl plénipotentiaire. Imaginez Vitelam Innocent qui gagne quelques centaines de soldats a fait ambassade américaine repenser stratégie que gagne pour le capable protéger employé yo. Non. Imaginez ambassade américaine kounya k'ap dou fòk tout ambassadeur yo créé yon façon pour envoyer famille yo aller quitter pays ya pour capable retirer membres non essentiels qui a travail actuellement là dans ambassade américaine quitter ambassadeur yo et puis s'attendre là même machine ambassade là yo pral blender alors que qui est-ce qui besoin aider pays d'Haïti c'est les États-Unis mesdames et messieurs. Brian Nichols qui c'était un ambassadeur que pays États-Unis t'est utilisé pour capable vin faire un pourparler ensemble avec gouvernement, société civile, l'opposition, secteur privé afin puis capable joindre une solution ensemble avec crise que pays d'Haïti a fait face ensemble avec lui actuellement. J'en ai entendu la grand monde Ariel Henry te déclaré dans le jour qui s'est passé, l'ONU te voté à l'unanimité, mesdames et messieurs, le fait que faut gagner une force internationale qui vienne aider le pays d'Haïti. De ce fait, l'ONU bail un bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui s'est binu 30 jours pour capable produire un rapport pour faire connaître qui ça que le pays d'Haïti a besoin pour capable sortir de la crise. Et maintenant, en compte qui fait avant-hier, il y a Brian Nichols qui campe, qui fait comprendre, c'est une force multinationale cap capable d'aider le pays d'Haïti sortir dans situation de crise que lié a. Cap aider le pays d'Haïti sortir dans situation insécuritaire ça que lié a. Est-ce qu'on est capable de comprendre qui ça veut dire exactement? Et d'après information qui arrive à joindre nous, dans le moment où on parle là, les États-Unis ont créé tout moyen pour être capable de mobiliser des troupes. Nous connaissons que les États-Unis ne peuvent pas avoir des troupes. Et mais l'autre pays, États-Unis, peut utiliser afin pour capable de mobiliser des troupes pour voyer force internationale en dans le pays d'Haïti parce que c'est la seule solution qui soit. C'est la seule solution que nous gagnons. Selon moun sa yo, pour nous capables de sortir de la crise que le pays d'Haïti a fait face ensemble avec lui actuellement. Et dans le moment où nous parlons là, nous gagnons vite l'homme innocent, plénipotentiaire, qui s'est penté pour voir Ariel Henry, et mais qui décide de bailler les États-Unis raison ensemble avec toute action que l'a posée actuellement, notamment ensemble avec environ Lio. Vite l'homme innocent, monte Pétionville. Vite l'homme innocent dans Tabor. Vite l'homme innocent Croix des Bouquets. Vite l'homme innocent Wood Frère. Vite l'homme innocent Delma. Vite l'homme innocent Torsel. Jusqu'à présent, pas de pièce moun qui jamais dit un mot. Qui ça qui a passé exactement? Pour qui ça, nous pas jamais décidé de dire quoi que ce soit ensemble avec ça qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti. Gade ça qui passé dernièrement là. Ken Lacoste, c'était DG APN. Ministère économie et finance là décidé opérer un changement côté au changé par M. Villiers. C'est pas des cartouches, G9 en famille et allié main tout pas tiré mesdames et messieurs dans la saline pour contester changement ça parce que la coste c'est une monde qui te permet yo faire tout ça yo vle en bas. C'est une monde qui te kon permet yo faire corruption. C'est une monde qui te kon permet yo craser avenir pays d'Haïti. Ken la coste c'est une monde qui te kon permet iso faire ça vle sous la mer. Ou capable de comprendre qui ça veut dire, le yo changer au monde comme ça. Qui donc c'est soufou que yo coupé.
C'est soufou que yon coupé. Yon parfois l'autre mouvement encore. Donc, je ne dis pas là. Li vraiment important, mesdames et messieurs, pour nous capables comprendre situation qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti parce que complot pour force internationale la rentrée a li gitan fin maré et nous mettre kwèm li pa ka démarrer encore. Peuple arrêté bekeke. Peuple arrêté bekeke. Gou paquet moun ki te pensé mouvement bois calé a t'pral suscité pour international là pour une décision plus rapide toujours au contraire. Mouvement bois calé a te yon mouvement qui te fait international la paix en pile. Li te fait international la peur. Yon pas de vle fouye bouche dans mouvement si la, parce que mouvement ça, c'est mouvement peuple que te yon. Pour yon capable prouver monde là, yon besoin aider Haïti, faut que c'est bandit en soi qui a théorisé population. C'est pas population qui pourra couper zak banditiste. Yon font façon. Yon kampe mouvement bois calé à sec nan men. Pas gen personne qui dit rien. Gou paquet moun pensier par là qui t'a critiqué mouvement bois calé. Oh non, peuple pa gen droit ça. Oh non, peuple pa doit faire ça. Peuple pa doit faire si kounya la kap djou pito bois calé a te continuer. Ça y dit c'est wenn pas trop danger. C'est comprendre nous pas comprendre ça qui t'a passé là. Au lieu pour nous supporter peuple là. Bien que gon paquet ti dérive qui fait dans mouvement bois calé a, gon paquet innocent qui perdit la vie juste dans règlement de compte. Mais gon paquet bandi qui tombé. Nous wè ki jan mouvement bois calé ça, te ralenti sécurité en dans pays d'Haïti, ou pas tant des actes kidnapping qui t'a fait, ou pas tant des bandi a prend son des moun, ou pas tant des moun t'a mouri passé et par là puis mal passé grain la pi dans pays a. Parce que tout bagay c'est sous contrôle population et le peuple enragé ses parents elle mélangé ensemble avec la police et nous comme pour qui ça que jusqu'à présent ni gouvernement ni les États-Unis pas jamais vle pour l'armée entrer dans combat de gang c'est plus capable d'éviter ça qui passait au Niger dernièrement là. Côté l'armée à lui-même, lui mettait en déroute gouvernement. Lui chavirait sa tête en bas. C'est général l'armée qui a dirigé actuellement là au Niger. Imaginez, dans l'armée a gagné des hommes qui sont vraiment des hommes. Yo intellectuel, yo bien formé, yo patriote. Femme mélange ensemble avec garçon. Imaginons que moun sa yo qui gagne droit ça pour yon capable renverse ou et puis s'entende yon là ou pral vivre. Non, pas de bagay comme ça. Ou Ariel te fin deal, André Michel dit non, Ariel, pas de bagay comme ça. Pas ka gen bagay kon sa Ariel. Qu'est-ce que pou ap di que fok la me accompagne la police? Pas gen bagay kon sa, c'est pouvoir ap riske. États-Unis dit pas gen bagay kon sa, m pa riske pouvoir nan pou la me. Kite gang yo continue feraye, kite population continue mouri, kite moun yo continue souffri. Kite yo continue péri en babal bandi. Donc oui mesdames et messieurs, c'est ça que fait. Gouvernement pas quitter l'armée. T'es aidé la police. Ouais, le moment mouvement bois calé, pour l'armée t'es campé. Pour la police t'es campé. Ouais, là, comme ça, question ISO, question Tilapli, question Chris là, vite l'homme qui a fait railler, question la mort sans jour, question. Nous tapons pause. Là, comme ça, nous avons défait ISO. Oh non. Papa l'Ariel, pas vrai. Bon père Joseph joute campé en croix. A la problème pour pays d'Haïti ça. Mesdames et messieurs, famille Navalas fouille bouche dans question conjoncturelle la pays d'Haïti. Yo te sur plateforme panel Magic 9 ensemble, entendez, je ça t'a passé. Pour nous d'accord. Pour nous accepter. Yo vann yo pays nan men nou comme ça. Nous pas jamais décider de dire quoi que ce soit. L'autre a campé le dou comme ça, c'est le moyen qui pour aider pays a. Faut gon force multinationale qui composé pour voyer presser en dans pays d'Haïti. Canada même dou
la bord 250 motos, la bord 300 radios pour capable combattre qui ça, pour capable combattre insécurité. Alors des problèmes papa. Et qui ça l'a fait? La bord 10 drones. Combien comme ça coûté? 13 millions de dollars américains. 13 millions de dollars américains. C'est quantité d'argent ça, soi-disant, qui dépensait pour nous capable joindre Zéfè sa yo. On ti patience, mesdames et messieurs, n'a pas patience tout petit. Pendant que 13 millions de des pays d'Haïti n'ont pas qu'être sans suite. Mais yon pas décidé. Yon pas décidé et des pays d'Haïti. Après rencontre Kinson, nous avons une déclaration qui était faite, dont Fabien Lavalle s'est signaté avec plusieurs autres structures politiques et organisations qui étaient dans la société civile là. Mais nous avons une rencontre qui est faite dans Port-au-Prince, qui n'est pas mal. Maintenant, qui ça est signataire de déclaration Kinson a fait? Est-ce que nous rencontrons entre nous? Est-ce que nous des initiatives que nous allons prendre? Bon, et là, il n'y a pas paraître comme ça de manière simpliste, même pas penser que les exactement, j'en ai décrit là. C'est-à-dire, des discussions ont eu lieu et il y a des avancées qui font dans la discussion. Maintenant, il ne faut pas oublier que CARICOM, je dis, a joué un rôle côté que il n'y a pas gagné réellement, il n'y a pas bien imbu de réalité Haïti depuis 2 ans. Il y a au courant que mon situation qui menait pays à une crise profonde et il a aidé à la recherche d'une solution haïtienne à la crise. Donc, le temps pour yo capable prendre, aider nous, comprendre, pour faire des pas en avant, ça prend un petit temps. Qui ça m'a dit par là? C'est que là, nous vivons Jamaïque, nous sortis quand même avec deux positions bien distinct, côté que le gouvernement et les alliés du 21 décembre te gen opposition, côté que yo même yo di men côté yo, et gagne un groupe d'organisations politiques et de la société civile qui yo même mette sous table on l'autre proposition. En a deux propositions, ça yo gen des points communs ou des choses que nous dit en commun ou que nous pensons même gens, mais qui ka exprimé différemment. Et c'est ça que l'exercice qui a fait là permet de rapprocher pour que nous réduisions la discussion à nos gardiens, à problèmes réels que nous avons une différence de vue sous lui, qui est la gouvernance, d'une certaine façon. Et la discussion qui a fait là, lui permet. Juste à Martin. Un cadre, ok? Et cadre, mettons un cadre. Quand ça la permettre que acteurs yo capable chita yon en face l'autre pour négocier et discuter de points divergents que yo gagne et me penser c'est vers ça que n'a arrivé là nécessairement. Monsieur Fob, point divergent depuis toujours c'est ça c'est toujours hier c'est qui soit gouvernance à un certain moment de la durée c'était bicéphale monocéphale qui t'a parlé. Et il y a des mois de ça, même. Des gars, il plus passé une année de ça. C'était bicéphale, monocéphale qui t'a parlé. Qu'on a nous venir avec au collège de 5 membres, au collège présidentiel de 5 membres, et gouvernance et pouvoir lui-même, premier ministre, avec signataire accord le 21 décembre, là. Il a toujours été avec un seul chef dans tête exécutive, là. Donc, c'est pas véritablement, rencontre carré comme, non, qui fait nous prendre des divergences, ça. Nous devons déjà connaître déjà. Ok, nous connaissons déjà, mais nous connaissons tout que bon dynamique, c'est-à-dire que tant qu'il passe à permettre que gagne des expériences qui fait et que n'a vive. Je dis, hein, est-ce que pendant 2 ans qui sont passés à y solutionner tout problème pays? Non. Est-ce que situation sécuritaire là améliorée? Non. Est-ce que lien pas en phase d'amélioration? Non. Est-ce que la gouvernance a fait de manière transparente? Et transparente. Est-ce que l'hypoton amélioration pour 6 millions de monde approximativement que nous gagnons qui sont en situation de famine grave qui a augmenté? Non. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont le pouvoir, mais aujourd'hui, il faut prendre conscience que les gens qui ont fait qui n'est pas bon.
et qui pas marché et qui pas bail résultat. Ça qui pas bail résultat, je dis, il faut que nous cherchions nous-mêmes, comprendre que nous dit nous voulons une transition et que transition, ça c'est la dernière transition que nous voulons pour nous entrer dans la logique de stabilité et de démocratie pour nous rentrer dans cette habitude démocratique de transférer le pouvoir en pouvoir à travers des élections libres, honnêtes, crédibles, démocratiques et inclusives. Donc, tout le monde a demandé un seul bagage, nous voulons que nous fassions de bonnes élections. Pour nous faire de bonnes élections, il faut que nous entendions nos élections. Pour qui est-ce qu'il faut le faire? C'est pour les organisations politiques, dans un premier temps, qui peuvent vendre un projet, un programme pour atteindre des objectifs. Si nous pouvons aller vers des élections et de bonnes élections, il faut que d'abord nous entendions, il faut que partis politiques, organisations politiques, yo même, yo chita ensemble, yo chita à côté gouvernement qui dit qu'il faut faire élection pour yo, de façon à ce que nous jouions nos formules pour nous traverser transition ça avec des réformes importantes. Moun ki pral des élections, pral gen élection. Faut réforme déjà entamé, c'est pas li pral faire toute réforme parce que sinon nous pral dire ce sont des réformes partisanes. Il faut que pendant transition que nous mettons tête ensemble sur l'essentiel des réformes à faire. Même gens que nous décidons discuter de constitution pour nous voir quelle réforme apporter à cette constitution. C'est ça. Maintenant tout ça évoqué là haut. C'est des points, Monsieur Fob, que nous avons des années depuis nous avons évoqué. Après deux rencontres ça, qui fait avec CARICOM, dans qui point nous y est? Est-ce que nous toujours été connectés avec CARICOM, c'est avec CARICOM nous parler, ou bien gagner des canaux de communication entre nous-mêmes qui c'est signataire accord et déclaration de Kingston avec les pouvoirs et signataire accord le 21 décembre. Est-ce que des communications entre nous? Oui, communication li permanente et n'a cherché l'ouvrir voie à d'autres channels de communication qui pas existé de façon à ce que nous comprenions clairement que nous un pays qui foncièrement divisé aujourd'hui, la division nous est profonde. Moun raï moun sans raison, ça yo pas contre qui raison. Allô? Allô? Oula? Allô? Oui, là, on va continuer. Nous devons attendre quelques secondes. Oui, ils ont décidé que nous sommes des opposants politiques. So, du coup, faut nous railler une l'autre. Et c'est là, travail là, important pour nous faire, pour nous comprendre que nous avons obligation de entendre nous. Nous avons obligation de construire ensemble. Qui ça nous voulait? Haïti, c'est point commun. Nous. Population haïtienne là, c'est nous. Nous tous qui nous représentons. So, du coup, nous gagnons un effort important qu'a fait, qui doit continuer à faire, et que faut tout le monde encourager pour que le dialogue ça aboutit et réussit fait pour le bien de la majorité et pour le bien d'Haïti, avant que pour le bien personnel et individuel de chaque monde ou des mondes qui t'avaient à vous-même pour pouvoir. C'était Edouard Vorbe, mesdames et messieurs, pour famille Lavalas sur la situation actuelle pays d'Haïti. Une situation qui est vraiment critique, une situation qui est vraiment compliquée. L'important pour nous capables de reprendre le contrôle de la situation et commencer à prendre responsabilité nous en main. Ça fait moi André Michel a fait tweet comme quoi yo te rencontre avec secteur ceci yo te rencontre avec secteur cela puis yo parler de situation pays d'Haïti mais yo poko jam parler de insécurité a. Mais en question mesdames et messieurs côté Delidoc côté site internet ça que PM nan que gouvernement te mette sous pied pour capable faciliter moun yo gagner pièce identité yo plus rapide. Tant qu'ou ou capable remplir un formulaire pour passeport, pour carte électorale, pour liste côté de l'idoc fait. Est-ce que site là est en déloqué ou du moins ça qui passé? Bon, essayez checker pour moi. Est-ce que Delidoc toujours sous plateforme yo? Mesdames et messieurs, parce que je sais pas qui passe dans le pays d'Haïti. Nous pas parler mais yo là Delidoc c'est Delidoc, je me rappelle bien. Delidoc.gouv.ht. Va en voir. Si c'est là toujours, app marché. Ok. Demande. Ok. Demande là toujours là. Formulaire de demande est toujours là. Va en voir. Ça qui vient à ouais ensemble avec suivi demande. Demande de suivi, numéro, etc. Bon.
On dirait que site là continue à fonctionner, ça qui quand bien même bien. Mais est-ce que nous connaît gain moun qui utilise site ça puis capable prendre l'argent sur l'autre? Yo dit comme ça, il a forgé une formulaire en plus rapide. Ba ou 5000 gouttes, ba ou 10000 gouttes, puis yon capable faire ça pour, alors que ou seulement besoin téléphone ou seulement besoin ordinateur, tablette tout, ou monter sous Delidoc pour gouver, pour acheter, ou cliquer sous demande, yon ba ou formulaire, ou rempli à fort, ou fait sortir et pour fini. Gen moun ki mande 10000 gouttes. Donc nous comptons que Delidoc là toujours, mais qui ça l'a réglé? C'est qui ça l'a réglé exactement? Côté 21 milliards que Ariel Henry décaissé dernièrement là pour apaisement social. Côté l'argent ça parce que l'argent ça pour aider pièce moun en le pays d'Haïti. Donc il est vraiment important mesdames et messieurs pour nous pas arrêter sous ça yo, pour nous pas dormir sous yo parce que c'est détail ça yo qui permet nous et me pousser do Ariel Henry sous pouvoir parce que si nous quitter Ariel Henry continuer sous pouvoir, me garantis nous. Non, me garantis nous mesdames et messieurs, café nous a couler ensemble. Est-ce que je dis café? Non. Café nous a coulé ensemble avec moi. C'est des amis, nous, famille, la Jean-Charles. Nous sommes contents ensemble avec nous. Rendez-vous cassé pour la prochaine sortie rubrique. Ça arrête béni et protéger tête nous. Yon bon week-end à vous tous. Pays d'Haïti piégé, c'est nous-mêmes qui avons responsabilité pour nous capables de protéger tête nous.